Alors 13e, est-ce que c'est une place qui nous convient? Bah oui, c'est une très belle place. Quand j'avais vu les inscrits qu'il y avait en début de semaine, je me dis faire dans les 10. Mon objectif c'était faire dans les 10. Ça va être très 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 dur. Donc après avec aussi tous les étrangers. Donc là je pense que je fais 13 de la course, mais peut-être 10e français, je sais pas du tout. Donc je suis très content de ma course. Surtout que le niveau cette année était très relevé. Ouais. Et l'année dernière vous étiez combien alors? Bah, il y a 2 ans, je fais 12e français, 14e du scratch. Et l'année dernière, je fais 17 du scratch et 14e français. Donc cette année, je fais mieux. Et je sentais que j'étais en forme. La semaine dernière, peut-être ce week-end un peu moins. Mais j'avais préparé ces objectifs-là. Et par rapport aux coureurs de votre région et de votre interrégion, comment vous vous situez? Bah, aux interrégionaux, on a eu, je pense, les conditions les pires qu'on a eues de toutes les interrégions. On avait de la bouche jusqu'à mi-tibia, mi-mollet. Donc j'avais gagné les interrégions assez facilement avec une 20aine de secondes d'avance sur Julien Moreau. Donc là, bah, je fais pareil sur Julien, mais moins d'écart. Mais il y a Jean de Massène qui fait 10e, qui est rentré aujourd'hui en France, qui lui aime bien les parcours roulants comme aujourd'hui. Dans la bouche, j'aurais été devant, je pense. Après, l'objectif qui suit, ce sera lequel? Bah là, maintenant, le prochain objectif, c'est préparer les France 10 km sur route le 13 avril, à côté de Marseille. L'année dernière, j'avais fait 3e français, donc je voudrais bien monter sur le podium. Ça dépend qui y a comme inscrit, puis on verra bien. D'accord, bon.